mais c'est un délice. Fonce, fonce, mon poteau, ne te retourne pas. Non, mais on est capitulé, je suis pas rongeur. Pro jackpot. Nourriture saturée en sel, saturée en sucre et hors de prix. Jackpot. Merci pour le popcorn. Oh. Yes, il en reste un. T'as vu, poteau? Oh, mais non! À plus d'une unité, on signale la cote 7. Ça veut dire que les canards sont à moitié prix, moitié faux! Jackpot. Triple jackpot de cholestérol saturé en gras, frit à l'huile et glacé au sucre. Ah, ne la regarde pas, mon poteau, il pourrait se tromper sur les intentions! Ces mecs ne plaisantent pas avec les données. Faut voir les choses en face. Y'a rien pour nous ici. Rentrons au parc, poteau. C'est là qu'on s'arrête. Regarde-moi bien. L'important, c'est de savoir attendre le bon moment. Un, deux, trois. Ah. Ah. J'ai toujours eu du mal avec les boîtes aux lettres. Ils s'attendent à ce qu'on vienne avec les bras chargés de BQI, donc on va les faire atterrir en douceur. Tu me suis? Super. Alors suis-moi. Cher Roublard, amène-toi! Vous avez trouvé de la nourriture? Ils ont à manger pour nous tous! Et ce qu'il veut dire, c'est que d'un côté, on a trouvé à manger, mais que d'un autre côté, c'est un peu compliqué. T'as trouvé du pop-corn? Poteau! T'as trouvé des donuts? Je vais vous dire. Combien de donuts? Que tout le monde se taise! 8 donuts! On n'a pas trouvé de nourriture! Si tout le monde se cache, on se cache! Merci beaucoup. Enfin, les copains, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Nous sommes les animaux les plus vénards du monde. Notre parc a tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Ce parc est notre art. À quoi tu joues? Je chante? Ben quoi, c'est une idée comme une autre. Non mais t'as déjà vu quelqu'un se lancer dans une chanson au milieu d'une phrase? Regarde-là, ils sont captivés. C'était un peu bizarroïde. J'espère que t'as un plan B niveau carrière. Je parle pour moi, mais t'étais pas en rythme une seconde. Et donc, public exigeant? Mais on aime tous le parc, mais par pitié, laisse tomber la chanson. Ça. Messieurs de la presse, soyez les bienvenus à Liberty Park. Nous sommes tous d'accord, je le sais, ce vieux parc public et ennuyeux a besoin d'un bon coup de jeu. Voici donc Liberty Land, le parc le plus génial de tous les parcs du monde. Qui a besoin d'un vulgaire parc quand on peut avoir un parc d'attractions? Plus d'amusement, plus de manèges, plus de rigolades et plus de profit. Liberty Land sera ma plus belle création. Tu as dit que c'était moi ta plus belle création. Non, bien sûr que c'est toi ma chérie. Donc Liberty Land est ma deuxième plus belle création. Non, ça c'est tout faux. Je veux les chevaux.